Hello, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo où je vous vends mes sacs et accessoires de luxe. Donc, c'est parti, on va pas tergiverser 100 ans. On va commencer. Toutes les pièces sont désormais disponibles sur le site qui s'affiche là, bamluxurystore.com. Ce sont des pièces qui proviennent principalement de mes clientes. Tout est dans la description de cette vidéo. Look du jour, aujourd'hui, je vais avoir ma petite veste Golia que j'adore, un petit haut Golia, mon jean Esdire que je suis en amour avec, vous le savez, vous me demandez à chaque fois les liens, et ma petite ceinture Kelly que je n'avais pas encore unboxée sur cette chaîne, mais voilà, elle est là. Donc du coup, n'hésitez pas à checker, vous avez les liens dans la description, toujours de tous mes looks. J'essaierai de faire des petites stories. Donc c'est parti, premier sac, du coup, comme vous pouvez le voir, j'ai bien avoir la boîte. Je vais avoir le petit nose bag. C'est parti, regardez-moi cette méga pépite. On est sur le sac Croisette de chez Louis Vuitton. Attendez, je vais juste ouvrir, sortir la petite chaîne. Donc c'est le modèle Croisette en damier ébène et rose ballerine, comme vous pouvez le voir. Donc c'est un sac qui est ultra mignon. Je vais le mettre juste ici. Donc voici ce que ça donne porté du coup en bandoulière. C'est une petite chaînette ici, hop, comme vous pouvez le voir, que vous pouvez enlever sans problème. Donc ça c'est plutôt cool. Au niveau donc de la bijouterie, on voit que c'est légèrement utilisé, mais ça reste super correct. Les coins sont en excellent état sur ce sac. C'est ça qu'on aime énormément. C'est un sac qu'on voit pas tous les jours et ça que j'aime bien. Au niveau de l'intérieur, on est semi en cuir, semi en daim. Vous avez des espaces ici pour vos cartes, un énorme espace et une pochette zippée, que ce soit pour les pièces ou pour autre chose, qui est en excellent état. La seule chose sur ce sac, c'est que vous savez, l'odeur de toile, comme je disais, sur les pochettes Felicie, c'est pareil. Et cette petite pochette, du coup, est à 1070 euros. Donc, très contente de vous permettre de vous offrir cette pépite. On est vraiment sur quelque chose de super mignon et qu'on voit beaucoup moins. C'est dispo sur le site de suite. Foncez. Continuons ensuite. Oh, regardez ce que j'ai. Dior. Et oui, et là, édition limitée. En amour avec ce sac, regardez ce que j'ai. Je vais avoir le Book Tote, version small. Celui-là, c'est pas le grand en fait. C'est la taille en dessous. Magnifique en raffia beige. J'en suis super fan. Quand je l'ai vu, je me suis dit, oh, ma mère a failli vous le piquer. Je lui ai dit qu'elle avait plus le droit d'acheter chez Bam Luxury Store, donc il est pour vous, mais sinon, elle l'aurait pris, je pense. Elle l'adore. Regardez. Sublimissime. Il est comme neuf, seul défaut du sac ici, c'est une petite décoloration. Sinon, il est impeccable. Il est impeccable de chez Impeccable, regardez. J'adore. C'est vraiment ultra tendance ce genre de sac. L'intérieur, pareil, hein. On est impeccable de chez Impeccable. On est vraiment sur le Book Tote classique, c'est super résistant, ça j'adore. Et c'est un sac que l'on vend 2380 euros avec le dust bag et le certificat Entrepi. Mais je trouve qu'il est trop beau. Pour toute l'année, hein, franchement, il est très très bien. Du coup, il est disponible chez nous. Je suis trop contente. D'ailleurs, ce jeudi, on est en live sur Whatnot avec Chloé Penel. Donc, si vous ne la connaissez pas, hop, je vous mets sa petite tête ici, ses comptes, ses réseaux sociaux. Elle est sur Instagram, TikTok, YouTube. Et on est déjà bonnes copines. Et du coup, elle revient à Barcelone pour un live de folie. Et surprise, 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 on va vous faire un concours. On vous fait gagner un concours sur le live Whatnot. Donc, déjà, avant tout, je vous laisse télécharger l'application si ce n'est pas encore fait, avec le lien qui se trouve sous ma vidéo. N'hésitez pas à m'écrire si ça marche pas. Ça vous offre 15 euros de remise sur votre première commande Whatnot. Okay? Vraiment sur la toute première commande Whatnot. Aussi, n'hésitez pas à aller vous abonner à notre compte Whatnot et à enregistrer tous les prochains lives. Vraiment, vous allez sur notre profil Whatnot, vous cherchez dans la barre de recherche Bam Luxury Store. Vous allez tomber sur tous nos lives. Enregistrez-les. En fait, c'est le petit espèce de petit marque-page en haut à droite de chaque live. Vous cliquez dessus et ça enregistre tout, enfin le live sur lequel vous avez cliqué. Donc, enregistrez-les tous les jeudis à 19h30 et parfois certains dimanches. Et on a une surprise aussi pour Noël. Je ne sais pas si vous avez vu pour décembre, mais du coup, je vous montre le petit concours qu'on va vous faire. Donc, le voici. Et regardez ce qu'on vous fait gagner avec Chloé. Une pochette Felicie en damier azur. Tout y est. Vous avez les petites pochettes, etc. Donc, et bien évidemment, la bandoulière. Donc, cette pochette Felicie de chez Louis Vuitton sera à gagner en concours directement ce jeudi. Donc, soyez au rendez-vous, enregistrez, partagez. Téléchargez l'application. Si vous n'avez pas tout compris, écrivez-moi. Mais en tout cas, ça va être super fun. On va faire des enchères à 1 euro, on va faire des enchères un peu plus élevées. On aura des prix fixes. On fera d'autres petits concours. Enfin, ça va être vraiment super cool. On va d'abord commencer sur le compte de Chloé et à 18h45 et sur le nôtre à 19h30 comme d'habitude. Donc voilà, on vous attend du coup au rendez-vous et peut-être vous serez l'heureux ou l'heureuse gagnante de cette magnifique pochette. Ensuite, du coup, on va être sur un porte-monnaie de chez Vuitton. En long format monogramme. On est sur un portefeuille qui a déjà bien vécu, on le voit au niveau des tranches,
Comme vous pouvez le voir, il y a des coins qui sont un peu abîmés. Hop. Donc avec un intérieur rose ballerine. Le bouton, vous avez légèrement moins coloré. Regardez, donc vous avez la petite pochette juste ici également. Et on va l'ouvrir. Donc là, pareil, hein, sur cette tranche-là un peu abîmée. Et l'intérieur rose ballerine, vous avez des petites traces, des petites marques. Sinon, autrement, il est sublime. C'est un RFID, donc il a été acheté après mi-2021. Pareil, au niveau de l'emplacement des pièces, il a été utilisé. Mais sinon, on est sur une petite pépite et il est à 355 €. Voilà, il est disponible sur le site de suite. Donc, ceci étant dit, petite coupure pour vous annoncer qu'avec Je suis Lou, on vous fait un nouveau live What Not. Je suis trop contente ce dimanche. Du coup, ça va être à... Donc, on va commencer par le live de Lou et ensuite, on sera à 20h40 ce dimanche en live sur What Not. Enfin, ce dimanche, du coup, avec Lou, on vous propose un concours également pour vous remercier. Vous allez voir, c'est la première fois en plus que j'en ai une. C'est assez dingue. Elle est comme neuve. Vous avez la boîte, le petit dust bag. J'ai même la facture d'origine de ma cliente. Et elle va être à gagner ce dimanche si vous participez au live. Si vous ne connaissez pas, n'hésitez pas à télécharger l'application avec mon lien juste en dessous. Ça vous offre 15 € de remise sur votre première commande. Tout type de commande, donc que ce soit des sacs. On vend aussi des organisateurs de sacs, des chaînettes à rajouter sur vos sacs. On va bientôt rajouter aussi les produits d'entretien pour le cuir, je suis trop contente. Mais du coup, c'est super cool, donc n'hésitez pas à télécharger l'application si ce n'est pas déjà fait. Regardez ce qu'il y aura à gagner ce dimanche. Donc pour remporter cette trousse de toilette Nice Mini de chez Louis Vuitton ce dimanche, voilà la petite trousse qui sera à gagner. Lors du live, en fait, on n'a pas d'heure pour sortir le concours, donc ce sera quand on le décidera, voilà. Donc ce sera à vous de rester sur le live au moment opportun. Regardez ce qui est là. Je suis très contente d'avoir un bolide taille 31, bijouterie palladium, donc c'est l'argenté de chez Hermès. Je vais avoir la petite bandoulière, on est sur un gris assez foncé. Et c'est ça qu'on adore en cuir Togo, regardez. Sublimissime ce sac, j'adore. Vous avez les clés, le cadenas. J'ai également avec ce sac le certificat Entrepi. C'est un peu le Alma mais version Hermès, c'est ça que j'adore, regardez, il passe hyper bien. Et au niveau de la taille, il est très bien, je trouve. Pas trop grand, pas trop petit. Vous avez la petite bandoulière qui vous permet de le porter aussi, si vous le souhaitez, à l'épaule. Qu'est-ce que je peux vous montrer? Les coins. Alors, celui-là, très légèrement frotté, mais alors, c'est super léger. Vous avez la base avec les petits pieds. Là, franchement, les coins sont top. Hein. C'est assez cool. Je vais vous montrer maintenant l'intérieur. Intérieur en excellent état, totalement en cuir. Vous avez, j'essaie de vous montrer, une pochette qui est juste ici, donc il est assez grand, donc ça c'est chouette pour mettre vos petites affaires. Mais sinon, il est impeccable, hein, ce petit sac de chez Hermès. On est sur le bolide et je le vends 4 539 €. Donc là, on est vraiment sur un prix exceptionnel pour un sac Hermès. Donc, aujourd'hui ou ce soir, en fonction de quand vous regardez la vidéo, j'espère que vous êtes vraiment prêts et prêtes parce que là, il y a de la pépite. Hein. Donc ça, c'est pas du tout le dust bag d'origine. Hop, c'est ma cliente qui me l'a laissé dans ce dust bag. Regardez. Je suis trop contente. Ça, c'est une maxi pépite, le Chanel Timeless classique mini square. Donc, c'est la version carré, raffia et cuir. Donc, on est vraiment sur un mix de raffia cuir. On est sur une bijouterie rétanium, donc une espèce d'argenté bronze, un mix des deux. Très, très, très mignon. C'est un sac qui se porte en bandoulière. Je vais vous montrer ça de suite. Donc, pour celui-ci, j'ai bien l'hologramme. Donc, c'est le petit numéro de série du sac. Je n'ai pas la carte d'authenticité d'origine du sac. Par contre, vous aurez bien évidemment le certificat Entrepi plus mon certificat, toujours. Hop, je vous montre que ça donne portée. Donc, moi, je suis très petite, je suis 1m60. Donc, ça fait un peu long. Il faudrait que je le raccourcisse. Donc, possible de le raccourcir, soit avec un petit outil spécialement pour. J'appelle ça un raccourcisseur de chaîne. C'est pas très beau à dire. Ou sinon, vous pouvez croiser à l'intérieur. Je vais vous montrer. Ça peut être aussi un sac que vous pouvez doubler et porter à l'épaule, à la rigueur. Hop, donc déjà, on va doubler à l'intérieur, ce qui nous permettra hop, de raccourcir. Pff, j'ai trop mal fait. Voilà. Et du coup, là, vous voyez, vous pouvez le porter du coup à l'épaule. Il est trop mignon, j'adore. Et possible de le porter en bandoulière. Vous pouvez du coup, avec le petit outil pour raccourcir la chaîne, le porter à la taille que vous souhaitez. Il est sinon en excellent état, ce sac. Vraiment, l'extérieur est super. Sublimissime. Il est très 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 peu porté. Vous voyez très peu de traces au final. C'est ça que j'aime beaucoup. Et l'intérieur, vous avez... Ah bah, ça vient de partir, mais vous aviez du coup le petit sticker sur la petite plaque. Le petit sticker qui était là, qui vient de sauter. Donc je vais essayer de le remettre. Bon, c'est pas grave sinon. Donc il est juste ici sinon, qui protège la bijouterie, mais
Voilà, c'est en excellent état. Et vous avez du coup l'intérieur du sac qui est mais sublimissime avec deux petites pochettes ici, une zippée et une moins. Et le petit numéro de série qui est juste ici sur son hologramme. C'est un sac que vous ne reverrez pas de sitôt. Vu sa composition, j'aime beaucoup, ça change. Et on est à 3 050 €. Autre pépite, parce qu'on n'a que des pépites hein, comme d'habitude, le Alma PM en damier ébène. Ça faisait très longtemps. Et regardez l'état exceptionnel de ce sac. C'est assez indécent. Je vais avoir pour celui-ci le petit dust bag. Je ne l'avais pas mis dedans, mais il est là. Hop, le petit dust bag du sac Alma PM damier ébène. Comme vous pouvez le voir, l'état est franchement exceptionnel. On a très peu de, on a peu de traces. Même la bijouterie est sublime. Vous avez une base qui est exceptionnelle. De légères traces ici, mais alors c'est super léger. Alors, je vais essayer de m'approcher, de vous montrer. Là, il y a la lumière hein, blanche aussi, donc ça n'aide pas. C'est très léger. Hein. Hop, mais sinon, regardez. La base est top. Je vais vous montrer maintenant l'intérieur du sac. Donc l'intérieur, vous avez une petite pochette et une autre petite pochette. Mais sinon, l'intérieur est sublime. Quelques micro-tâches d'utilisation, je dirais. Mais sinon, on est dans un sublime état pour celui-là. Il est à 789 €, disponible de suite sur le site. Foncez parce que je pense que celui-là, il peut partir très vite vu l'état. Ensuite, autre petite pépite avec la boîte, le dust bag et les papiers. Regardez ce que je vais avoir. Première fois que j'ai cette petite chose. On est sur un portefeuille Gucci en cuir grainé noir avec le gros logo Gucci. Franchement, il est en excellent état, si je ne dirais pas comme neuf, quoi. Pareil, l'intérieur, excellent. En fait, je pense qu'il est, il est comme neuf. Je pense qu'il n'a jamais été porté, vous avez encore les papiers là. Il est sublimissime, là pareil. Je dirais qu'il est comme neuf. Honnêtement, je ne sais pas quoi vous dire d'autre. Pour moi, il est comme neuf. Voilà, donc magnifique portefeuille Gucci. Et je vais vous donner le prix de suite pour ce petit bébé. On est à 395 € pour cette beauté qui est disponible de suite sur le site. Foncez parce que là, c'est la toute première fois que j'en ai un. C'est assez rare, surtout dans cet état. Autre sublime pépite, regardez, j'adore. On est sur la Lock Me Chain Wallet on Chain de chez Vuitton avec bijouterie argentée et là, hop, bandoulière. Je vous montre comment ça se rend porté. Pareil, sur celle-ci, vous pouvez également l'enlever si ça vous intéresse ou pas. Et vous pouvez du coup changer. Le petit interlocking des chaînes, donc l'extérieur de le pouch est exceptionnel. Honnêtement, vous avez quelques petites rayures sur le fermoir, mais c'est normal. On va l'ouvrir. Vous avez une première pochette ici, la pochette zippée là. Et pochette ici, elle est en excellent état. Vous avez des espaces pour les cartes et une autre pochette. Elle est en excellent état, celle-ci, très pratique, totalement en cuir. On n'est pas sur de la toile Canva, la toile enduite, on est vraiment sur du cuir. J'ai le certificat Entropie et on est à 1 079 €. Ça, pareil, première fois que je l'ai et vraiment, c'est un classique. Beaucoup moins cher, par exemple, qu'un wallet on chain de chez Chanel et... Attention, méga pépite. Regardez ce que j'ai là. On est du coup sur un sac Gucci en cuir gris. Je vais vous montrer avec la bandoulière. On est sur un sac qui est en excellent état également. Donc très contente. Là, on a vraiment, on rentre des belles pépites. Donc petite bandoulière, pareil, qui peut s'enlever. Donc ça, c'est chouette. Soit vous le portez à l'épaule, soit vous le portez comme ceci en bandoulière. On est vraiment sur un sac d'une taille parfaite. Ça ressemble un peu, je dirais, au métis de chez Louis Vuitton. La bijouterie est couleur champagne, donc c'est un doré très clair. Vous avez des petites rayures sur la bijouterie ici, de ce côté-là. Sinon, au niveau du sac, là le coin, mais alors très légèrement frotté, c'est tout petit. Ou ça, là aussi. Mais pareil, hein, c'est tout léger. Sinon, regardez, le sac est sublimissime. Vous avez la petite poignée aussi pour le porter à la main. Et on va l'ouvrir ensemble, on peut l'ouvrir, vous l'ouvrez comme ceci. Là aussi, légèrement frotté. Bon, alors c'est tout petit. Et l'intérieur est comme neuf. Honnêtement, l'intérieur est comme neuf. Vous avez pas mal d'espace aussi. Et comme neuf. Franchement, je pense qu'il a été très peu porté. Et ça, on adore. Et du coup, je vais vous donner le prix qui est exceptionnel. On est à 949 €. Franchement, c'est un prix tout bas. Et je sais que vous allez être plusieurs à vouloir l'acheter, celui-là. Donc, foncez. Donc, on continue avec cette pépite Lady Dior taille large en cuir verni avec le dust bag. J'ai la petite bandoulière. Donc, on est vraiment sur un bon état. Vous avez des petites traces sous le dessous du sac. Il n'est pas tout neuf, comme vous pouvez le voir. Hop, on voit au niveau du cuir verni. Pareil de ce côté-là. C'est un sac, hop, comme vous pouvez le voir, qui a le zipper. On est sur
un petit vintage. On adore. Et l'intérieur, du coup, qui est en tissu rouge, comme d'habitude, avec la petite pochette. On adore. Vous avez le certificat Entrepied aussi pour ce sac. Et effectivement, on est sur un sac de 1997. Franchement, pour l'année, l'état est quand même assez incroyable. C'est un sac un peu de tous les jours, un sac très chic. Et le prix, mais alors là, le prix est juste fou, fou, fou. On essaie toujours de vous faire comme on peut au niveau des prix et de vous faire toujours de bons prix. On est à 1980 €. Pépite. Et restez bien, parce que là, j'ai nos sacrées pépites aussi encore. Regardez, magnifique. En tout cas, disponible. Regardez! Trop contente parce que j'en ai vendu un il y a 2-3 semaines et j'ai une autre personne qui m'a dit « J'en ai un à vendre !» J'ai vu que tu avais vendu l'autre super vite, j'en ai un à vendre s'il te plaît. Donc le voilà. Donc celui-là, j'ai le dose bag, il est neuf. Je vais avoir aussi la bandoulière en cuir. J'ai deux bandoulières et ça c'est le rajout à bandoulière. C'est bien à savoir. Je vais avoir aussi le certificat Entrepied pour ce beau bébé et regardez-moi. Donc là, vous avez intérêt à aller très, 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 très vite. Parce que la dernière fois, je vous rappelle, il est parti super vite. Regardez comme il est beau. Le Horse Bite, magnifique, avec sa bandoulière comme ceci, classique de chez Gucci. C'est un sac qui est neuf. Voilà, donc vraiment complètement neuf. Qui est encore en magasin. Vous allez voir, notre prix est assez fou. On est quasiment à moins 50% du prix boutique. Je crois qu'on l'est même carrément. Hein. Voilà, mais du coup, je vais avoir les petits papiers. Et l'intérieur, hop, est neuf. Voilà, complètement neuf. Je ne sais pas quoi vous dire d'autre parce que bah, il n'y a aucun défaut sur ce sac. Et on est à 1290 € pour cette sublime pépite que l'on peut porter en bandoulière. Donc vous avez cette bandoulière Gucci et la plus classique en cuir marron, mais on adore. Et vous pouvez aussi changer et mettre d'autres bandoulières. Mais il est très 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 mignon celui-là. Voilà, écoutez, tout est disponible sur le site, foncez maintenant. Et si vous regardez cette vidéo un peu tard, n'hésitez pas à foncer aussi sur le live WhatNot ce jeudi à 19h30 et ce dimanche à 20h40. Je vous laisse toutes les informations à l'écran et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Bisous!